Voilà. On est. Enfin, on est. Moi tout seul. Parce que sinon, les experts vont dire là que je suis un schizo truc machin. Alors, on est le dimanche. 29 novembre 2020. Je suis en train d'écouter de la musique. Jacques Dutronc sait bien. Et il est 3h10 du matin. Ah, Nougaro, Cécile, ma fille. Alors, je vais inverser les rôles. C'est-à-dire que avant, je passais les heures, j'ai laissé facilement 6 heures de temps à essayer de contacter les services de la mairie de la nouvelle maire Jeanne Barzéguian, Élise Futéraire ou Pédifian. Donc, si vraiment, mesdames, vous êtes pour l'intérêt général, parce que j'ai les moyens de réduire ce coût du permis de 50%. Et je vais donc mettre ça, madame Barzéguian, sur votre Facebook. C'est à vous de m'appeler au 06 35 17 65 33 ou au 06 02 34 95 13, alors qu'il est. Je n'ai plus un euro en poche. Et j'ai eu la prime de 150 boules là, de la CAF, mais ça part très rapidement. Alors aussi, pour dire, et je le redis, j'ai une référente RSA qui m'a fait chanter, elle s'appelle Marie-Paul Horn. Elle était par téléphone un jour, elle a émis des conditions pour... Donc j'enverrai, parce que j'ai l'adresse courriel de Thévené Ducrot, anciennement Mutcher Bischoff, la vidéo. On ne met pas quelqu'un sous protection juridique qui a une évaluation globale de fonctionnement de 100 sur 100. Je suis un expert. C'est absolument incroyable. Puis j'ai pas de travail. Je vais vous dire pourquoi j'ai pas de boulot, parce que je suis en aucun réseau. Aucun réseau, c'est aussi le cercle d'échecs de Wehrstein, mais bon, ça c'est vraiment limité. Je suis même pas dans un motoclub, je suis plus dans un motoclub à Rino, mais bien entendu, comme je suis en situation de surendettement, il n'y a pas deux endroits où je peux aller boire un café sans prévenir. Voilà. Alors, je me vois contraint aussi aujourd'hui de prendre des décisions relativement graves, puisque... il faut que... Je ne veux pas vendre la maison, mais parfois j'y pense quand même. Il faut quand même se dire que ce que dit Étienne Chouard, c'est vrai, c'est que... c'est, quand il parle, quand il dit le gouvernement est une mafia, il donne un exemple, il dit la mafia gouverne par la peur. Donc le chômage est une construction politique, la mafia... La vraie mafia, donc, hein, les mafias gouvernent par la terreur, et c'est la même personne qui terrorise et qui se prétend être le protecteur. Et il dit c'est la méthode de nos gouvernements. C'est-à-dire que, alors, quand vous voyez un président dire « il faut être rassemblé » et tout ça, mais c'est que, comme dit Georges Carlin du Pipeau, « il faut ne rien croire ». I have certain rules, j'ai certaines règles. My first rule, my première règle. I don't believe, je ne crois en rien de ce que me dit ce gouvernement. Nothing, zero. Les trialistes, zéro comme au trial. Hein? Voilà. All what they want, tout ce qu'ils veulent. It's divide the rest of the people, c'est diviser la population. On voit le résultat en ce moment quand on voit Emmanuel Macron dire mon Dieu, la police a tapé sur un blanc. Mais bien sûr, bien entendu, c'est pas. Mais je veux dire, pour eux, c'est du pain béni, ça. So they, comme ça, can go off, peuvent spéculer with their money to the bank. Ils peuvent spéculer avec leur pognon. And you know what they want? They want obedient workers. Ils veulent des travailleurs obéissants. And you know what they don't want? Et vous savez ce qu'ils veulent pas? They don't want a population of citizens well informed and capable of critical thinking, that's against their interest. Ils ne veulent pas de gens capables de penser critique, c'est contre leurs intérêts. And now, parce que comme dit Étienne Chouard, Emmanuel Macron est en train de casser la sécurité sociale.
And now they are coming for your social security money, folks. Et maintenant, ils veulent venir vous retirer vos avantages sociaux, vos acquis sociaux. Moi, le pognon du RSA que j'ai là, c'est, comme l'avait dit le docteur 1, lui, je peux le nommer, Pierre Hein de Rhino, que je salue, un grand monsieur. Lui, il m'avait dit, vous êtes payé 10,50 € brut de l'heure en auto-école pour payer tous les voleurs. J'avais pas compris à l'époque. Aujourd'hui, je les ai là en face de moi. Les Charlie, Zéro Hebdo, Fillon, que va faire le canard de tout ce pognon, 5 millions d'euros grâce à Fillon, tout ça. Moi, j'ai plus un rond à l'heure actuelle. Un moniteur auto-école, 450 000 kilomètres de parcours pour pas moins de 20 000 heures. Un informaticien aussi. Le piston, c'est le début de la corruption. Je suis dans aucun réseau, donc j'ai pas de boulot, je suis clean. Et c'est pour ça que j'ai pas de travail, parce que je suis pas un susboule là en train de faire du lèche-botte blues. Hein. Voilà. Alors, bien entendu, monsieur Frédéric Biry, président du Conseil général, j'ai porté plainte contre vous, contre Marie-Paul Orne aussi, je suis désolé, bougez pas votre cul. Il faut que Mutchler Bischoff, eux ils m'ont fait confiance, Mutchler Bischoff, j'aurais fait un chèque de caution de 430 balles. Si vous mettez des cons, moi j'arriverai pas à 430 balles. Plus 950 euros d'électricité à cause de votre lenteur. Les services sociaux, l'an dernier, Morgane Forgionel m'avait dit, assistante sociale au CMS d'Irstein, qu'il me fallait une feuille de non-imposition pour toucher le RSA. Quand je l'ai demandé au fisc, ils ont pris 3 mois à me l'envoyer, ce qui fait que j'ai perdu 3 mois de RSA. Là, j'ai le papier de la Bernadette Krenz qui était devant ma porte hier matin. Me mettre un papier, me harceler, ou de 1380 euros au fisc pour le Smith-Tom. Smith-Tom qui, monsieur Pia, alors, vous enregistrez les conversations, pas de problème, moi je vais, dès que j'ai nouveau un peu de pognon, recommander avec AR à la CNIL, c'est 1500 balles d'amende. Voilà, on rigole plus maintenant. Bah, je suis désolé, j'ai assez jeté de message in the box, de bouteilles à la mer, essayer d'appeler à gauche, à droite, on ne peut pas laisser de message, ça sonne pendant des heures. Et l'homme politique n'a de compte à rendre, une fois élu, qu'à celui qui a financé sa campagne. Du reste de l'intérêt général, il s'en contrebat les douilles. Comme dit Georges Carlin, « Nobody seems to notice, nobody seems to care ». Et personne semble s'en préoccuper, personne semble s'en apercevoir. It's called the système américain, the American dream, it's because you have to be asleep to believe it. C'est le système américain, c'est le rêve américain. George Carlin dit, c'est parce qu'il faut être endormi pour y croire. Le système capitaliste, c'est nous presser les uns contre les autres. C'est moi, je vais être le meilleur. Et alors, le profil du petit, du selfish ignorant citizen. Quand vous appelez sur son portable, il ne va jamais dire, il va pas donner son nom. Il va être caché parce qu'il a toujours peur. Il sait que la mafia est là, qu'on attend le moindre truc pour lui refoutre des taxes, lui remonter des CERFA et des machins, et d'être pris par les douilles, comme dit Georges Carlin, « Hey, take you by your balls !» Et ouais, voilà. Ouais, c'est la vidéo de la nuit, là, il est, je suis en pleine forme, là. Ah, Jérôme Béthune, je suis en pleine dépression. Mais non, je regarde la télévision, là. Je regarde la télé, il y a des artistes, là. Alors, je suis tout seul, là, quand il est en surendettement, il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. Alors, Jérôme Béthune, toi qui te foutais de ma gueule, là, avec, en train de, arrête de te moquer de l'autre, là. Le photographe, là, dont j'ai oublié le nom, là. Hein. Voilà, attaque-toi à moi, hein. Pourquoi tu t'as mis les voiles là, t'as dégagé là. Hein? Jérôme Béthune. Ah, Jérôme Béthune dans le sud avec ses canards. Le Jérôme Béthune. Alors, Jérôme Béthune, tu voulais pas me filer 50 balles? J'ai plus un rond. Jérôme Béthune, tu me files de la thune. Attaque-toi, moi, Jérôme Béthune. Moi, je suis en béton. Moi, je suis en béton armé. Hein? Je suis pas, j'ai pas ton niveau en trial. J'ai quelque chose dans le caillou. Hein, et comme dit les feux, je suis plus fort que le glaive et mon esprit. Philippe Stocker, c'est un expert. Attention quand même, hein, de ne pas trop frimer, parce qu'après, les experts psychiatres, ils vont dire oh, il a un peu la grande gueule. Là. Oh, il se sent un peu trop. Il est un peu trop extraverti, il est en pleine période psycho-machin-truc de logorée. Les logorées, je vous laisse le soin de voir ce que c'est que le logorée. Voilà.
Puis à l'occasion, je vous lirai le beau courriel que m'a fait ma première référente RSA, que je vais me nommer aussi. Elle s'appelle Sylvie Mélin, elle était à Arcea Espérance à Célestat. Faut commencer à comprendre, les petits loups et les louloutes, comment fonctionne le système. Mais comme dit Bernard Werber, les fourmis, le système n'est pas méchant, il est dépassé. Mais c'est quand même des réseaux, c'est des gens qui, eux, ils sont dans le réseau, ils vivent tranquillement. Alors qu'ils sont bien au chaud chez eux, ils ne sont pas harcelés par le fisc. Ils n'ont pas des gens devant la maison, ils sont là, ils ont le, pas dire le cul d'une huître, mais pas loin. Mais ils ont 2000 boules qui tombent tous les mois avec la petite maison tranquille, la petite voiture qui démarre au quart de tour, et le chat, hein, le chat qui dort auprès, près de la cheminée. Et puis ça, j'ai plein de sapins de Noël, de bordel et tout ça. Pour décorer Noël, parce qu'il faut que la petite Anne-Sophie, le petit Charles-Henri, il faut qu'il soit plein de cadeaux, lui, à Noël. Faut qu'il soit gâté. Il faut qu'il soit gâté, mais le bordel qu'on a foutu en Libye et tout ça, ça. Alors, ça, vous avez le droit, Amnesty International, de garder le silence. Hein. Mais que fait la police? Je terminerai Ali Aindil 2, rue Jean Jaurès. Je vais te mettre ça sur ton Facebook. Tu me dois 350 euros. Je vais envoyer cette vidéo à tous les 06 que j'ai, de toutes les personnes que j'ai eues en leçon de conduite, pour les informer que tu es un escroc. Tu me dois 350 euros et 65 euros de frais de gazoil. La police est au courant. Tu peux venir ici. Ils savent que tu habites 2 rue des Bouvreuils. Ça fait 15 jours. J'y suis allé lundi. C'était le 16. Aujourd'hui, on est le 29. 13 jours. Mais que fait la police? Je prends du souffle un petit peu. La cigarette électronique, c'est bien. Dimanche 29 novembre de l'année 2020, il est 3h20 du matin. And I wish you all a very good Sunday. Hope it will not be a bloody Sunday. Ta gueule, Philou. Ferme-la.